Bonjour, c'est Mogi. Salut, c'est Aspirateur. Salut, c'est Ougad. Salut, c'est Youfi. Salut, c'est Acté. Pour parler de Ninja Warrior, regardez, il y a une intro avec un titre qui donne vachement envie. Donc là, non, c'est Ninja en Warrior. En plus, le E du ninja, c'est un ninja. Oui. Oui, non, c'est clair que on peut s'attendre à un gros nanar tout pourrave. Mais il faut savoir que non. Donc là, c'est, en fait, bon, j'ai dit Ninja Warrior, mais plus précisément, c'est Ninja Warrior Again, qui est en fait un remake d'un jeu sorti en arcade, en fait. Et donc là, c'est un remake, grosso modo un remake, hein, parce que c'est une, on va dire, une relecture du jeu original avec deux autres personnages. Oui, avec trois personnages. Donc à la base, dans le jeu original, on jouait Konoichi dans le jeu de base, donc c'est elle l'héroïne. Du jeu, en fait, parce qu'en fait, c'est trois robots qui sont des assassins créés par des scientifiques résistants. Parce qu'en fait, dans leur monde, dans le pays, t'as un mec qui s'appelle Banglar qui a foutu la merde et qui a pris de force, on va dire, une nation. Et en fait, il fout la merde dans le pays, comme dans beaucoup de jeux finalement. Et donc, oui, je crois que c'est Banglar. À tes souhaits, Mogi. J'ai éternué. Donc voilà, donc grosso modo. T'as les scientifiques qui ont mis au point, qui n'ont pas complètement mis au point, parce que t'as l'un des trois robots qui est pas complètement fini, donc ils ont mis au point trois robots super forts et tout pour venir pour mettre fin au règne de Bangla et de ses potes. Donc là, dans le jeu, le but du jeu, c'est de défoncer la gueule à tout le monde, tous ceux qui avancent, non mais tous ceux qui bougent vraiment dans le jeu. Je crois que 100%, c'est pas 98%, mais 100% des personnages que tu vois bouger, tu le défonces. Donc c'est vraiment un run and gun, hein, si jamais on est obligé de le classer quelque part, donc grossièrement un peu comme les Green Beret ou ce genre de jeu putain que j'ai vu, et sur Amstrad qui était hyper dur putain. Et ouais, mais sauf que là c'est beaucoup plus abordable, hein. C'est pas comme Green Beret, hein, qui est super dur. Donc dans cette version, bon bah techniquement ça a rien à voir avec l'épisode original, ni même sur les conversions qu'il y a eu sur Omega CD entre autres. Là c'est un jeu super léché graphiquement. Super beau, avec des coups beaucoup plus conséquents, parce que là t'as vraiment pas les deux coups plus importants dans lesquels tu peux frapper en l'air, ça genre en sortant tout droit sur le sol. Tu peux même prendre l'espèce de caisse ou les motos que tu trouves pour les balancer à la gueule des ennemis. Et tu peux aussi, en appuyant sur bas et l'une des touches de tir, je sais plus laquelle, là tu peux aussi faire un coup différent. Donc non, vraiment t'as vraiment quelques coups sympathiques. Donc là la barre bleue en bas c'est l'énergie, à droite c'est le temps. Et l'espèce de truc qui clignote, c'est pour déclencher ta super attaque. Le blaster. Qui se remplit quand tu dégommes la gueule de à plein d'ennemis. Enfin, il me semble. Hein. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Ouais, donc, c'est vraiment un jeu très très subtil. Mais en tout cas, ce qui est très... enfin, ce qui choque réellement quand on regarde, c'est vraiment tout ce qui a été animation, les fonds et tout ça. C'est super beau. La Super NES, elle crache vraiment ses tripes sur ce jeu. En 94, donc ça va, on a eu le temps, les développeurs ont eu le temps de bien dompter la bête. Donc c'était Taito, hein. Je crois pas qu'on ait précisé, mais c'est Taito, hein, qui fait ce jeu. Donc bah ils se sont bien sortis. Sinon, bah qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah dans ce niveau-là, bon justement on a vu des espèces de missiles qui tombaient, parce que je trouve que ça c'était pas évident à éviter, parce qu'il y a des missiles qui te tombent dans le coin de la gueule. C'était pas facile à éviter. Alors là on peut voir un mec vénère qui me fait penser vraiment à un personnage de Ken le Survivant. On dirait trop les. Parce qu'il a une petite coupe à la con et tout. Oui, à la Ken le Survivant. Il a une grosse moustache, c'est rigolo. Mais j'aime beaucoup, moi, cet univers un peu cyberpunk, si j'ose dire, hein, avec du métal partout et tout. Steampunk, peut-être, steampunk. Oui. Enfin, je connais pas la différence, mais oui. Non, pas parce que t'auras un mec casse-cou qui va dire « Ah, attends, t'es en France, bah, Lougal !» Pourquoi steampunk? Steam, c'est la vapeur, je vois pas le rapport. Enfin, bref. Fuck le steampunk, voilà. Et oui, mais ça a l'air très très bien. Enfin, franchement, là, voir les images, ça donne vraiment envie. Et Sinon, dans le jeu, vite fait, pour parler, donc il y avait trois personnages. Hein, donc je répète que dans le jeu original, il y avait que la fille. Donc, comme on a vu, ce qui nous faisait rire au début, t'as Ninja aussi, qui est un. C'est autre, le nom le plus inspiré du jeu. Oui, donc Ninja, et t'as l'autre qui s'appelle Katanaichi, qui est le robot le moins terminé, parce qu'il y a encore. Ça, est-ce que tu vois encore son exosquelette et tout. Donc sinon au niveau des compétences, les trois ont pas les mêmes compétences bien entendu, sinon le jeu serait pas très varié. Donc t'as notre héroïne qui elle est plus agile et moins forte, mais quand même super agile. Comme les filles en général dans les beat'em all, elles ont souvent cette compétence justement. Ou dans les jeux en général. Oui.
et qui se combat avec un katana et des sai, je crois, de temps en temps. Et le ninja, lui, en revanche, lui, il est cette espèce de grosse masse qui, lui, est très lent, mais en revanche, qui est méga fort et qui attaque au corps à corps. Le katanaichi, lui, donc celui qui est moins terminé, là, lui, alors lui, il est super véloce, enfin, du moins, il est assez agile. Mais il met des moitiés de coups parce qu'il est à moitié terminé. La moitié terminée, il fait oh merde. Et t'as, donc lui, il se combat avec deux lames qui sont greffées à lui, en fait, hein, sur ses bras. Et sinon. Et puis je crois aussi que Ninja, si je peux dire, que Ninja aussi de temps en temps il donne un coup avec des Nunchaku. Donc voilà. Voilà, donc. Et oui, on peut déclencher, bah donc je l'ai dit tout à l'heure, mais on peut déclencher les supers attaques. Et en général, c'est ça, nique tout le monde, c'est qu'il y a sur l'écran. Hein. Et là aussi, on peut voir le principe bien connu des Beat'em All, où le niveau peut devenir soit ton ennemi, soit ton allié, si jamais t'arrives à bien gérer tout ce qui est hélice et tout ça. Oui, parce qu'il y a des pièges des fois. Bah justement, bah comme je parlais tout à l'heure, espèce de missile, par contre, bah ça c'est des pièges bien, bien relous. Mais là, j'ai cru remarquer que ton blaster, tu pouvais l'utiliser à outrance. Blaster, non. Oui, le super coup en bas, le coup spécial de ouf. Non. Tu pouvais très souvent l'utiliser. Bah oui, parce que le truc il se remplit assez vite en oui, fait. Se recharge vite. Et là, je fais un truc de gros cheater, c'est que je me mets sur le côté. Et là, bah, parce que par moment, bon, c'est genre un scrolling horizontal. Mais par moment, bah, quand t'as trop d'ennemis, enfin du moins quand t'as un certain pan du niveau, l'écran se fige. Et moi, comme un gros cheater, et t'as souvent des ennemis qui arrivent de devant et de l'autre côté. Et moi, je m'amuse comme un sale cheater à me mettre à droite et à essayer de donner des coups au pif. Et souvent, j'arrive à dégommer quelques mecs. Donc, c'est souvent la technique du mec pas très. Qui est un peu cheater quand même. Donc là un mec vénère avec une tronçonneuse en coin. Ça fait rire parce qu'ils sont pas très subtils. Là, j'imagine les mecs qui ont fait le design à la base, ils ont dit oh, on va lui mettre, ouais toi un mec, il a une espèce de casque de samouraï. Ah oui mais bon un samouraï c'est un peu subtil. Oui mais on lui met une tronçonneuse. Ils ont dit ouais. Mais déjà dans le nom Ninja Warriors, c'est très très beau. On dirait un nom de gros nana. Oui, déjà bah ça fait. C'est marrant à chaque fois de voir des jeux ou des films qui ont des noms à chier mais finalement qui sont pas des nanars donc c'est, et là c'est marrant parce que c'en est vraiment le gros exemple. Non, je disais comme le film Frère de Sang qui est un film coréen sur la guerre mais qui est très très stylé malgré son titre à chier. Donc moi ça me donne espoir pour les 5 American Ninja que j'ai acheté. Oui, qu'on a toujours pas vu d'ailleurs. Non, mais comme maintenant que je vois ça par exemple et je sais que ça s'appelle Ninja Warriors, bah j'ai beaucoup d'espoir dans cette série maintenant. Oui, on pourra et voir. Je me dis que ça va être très très bien et déjà Michael Dudikoff est un très voilà, bon acteur. Voilà, justement là, parce que là, bon, au début on a vu la fille mais j'avais essayé de varier suivant le niveau. Parce que quand tu meurs, bah tu recommences pas tout, enfin tu sais, tu recommences juste le niveau et tu peux re-sélectionner le personnage de ton choix. Donc là j'ai pris Ninja. C'est Ninja ça. Ninja. Le ninja musclé. C'est-à-dire que les mecs qui les ont créés, donc les scientifiques, ils étaient tellement désespérés à la bourre qu'ils ont dit bon on les appelait comment, je suis pas ninja, allez on a pas le temps, on va se faire niquer là, il y a Banglar qui fout la merde. Et la nana, Kunoichi, allez hop. Et l'autre, Katanaichi. alors que c'est celui qui a le nom, on va dire, le plus recherché, alors que c'est celui paradoxalement qui est le moins terminé, tu vois. Donc va comprendre la logique. Hein. Il s'appelle bien Katanaichi, t'es sûr? C'est pas très recherché, ça veut dire Katana 1. Ouais mais c'était quand même. Oui mais par rapport à Ninja et Konoichi c'est un peu plus recherché. Ils ont pris 10 au lieu de 5 secondes, oui c'est vrai. Voilà. C'est pas mal. Ça en plus. Alors là ce niveau là je l'aime beaucoup, je sais pas, c'est le décor, ça fait c'est une espèce de centre commercial comme les Trois Fontaines ou les Quatre Temps. C'est mignon. Et j'ai remarqué aussi que dans ce niveau ton ninja cyborg musclé démonte des mecs en costard parfois. Oui c'est sûrement des vigiles justement du centre commercial. Eh oui, ou des intérimaires. Des intérimaires. Il a peut-être défoncé le vigile très baraque de Jouer Club. Oui, parce que le jour, on était dans un centre commercial, on est rentré avec Hugad et Laspi dans un Jouer Club. Et à l'entrée, il y avait un black vigile, mais extrêmement baraqué. Et il nous a demandé vos sacs là. Et alors que c'était un Jouer Club avec des peluches il autour était de autour, lui. Il y avait des peluches, il était pas très crédible. Mais sans déconner, il devait faire peut-être 2m10. Et il était très très mastoc. Et comme on est arrivé à la fermeture du magasin, parce que nous on sort la nuit, bah on se baladait à travers les rayons et il y avait le gros vigile black très vénère qui se baladait boum, boum, et qui regardait, qui passait entre les peluches, les Barbies et autres matmondes et capes de Batman. Et il y avait un contraste et c'était très très drôle. Oui, oui, on a trouvé ça très très, très très atypique comme scène. Donc voilà, bon, là un autre boss. Alors ce boss là. La première fois que je l'avais fait, je me suis dit putain, il va être chiant parce qu'il sera invisible, mais finalement tu le vois parce que c'est comme un prédateur, hein,
puis bon, comme là c'est le truc qui fait que 2m10, le niveau, bah tu dis c'est pas très difficile de le voir finalement. Il y a toujours l'effet de flou autour qui est commun dans les jeux vidéo. Voilà, et là, j'ai dégommé avec un super effet de ralenti de bâtard. Donc là j'ai fait le stage 3. Donc le jeu était pas foncièrement long vu que c'était ce style de jeu finalement c'est pas très très long. On pouvait pas jouer à deux. Non, c'est un jeu. Ça c'est vraiment dommage. Oui. Parce que dans ce style de jeu on aime bien jouer avec un ami. Oui en général oui, mais en fait ils ont pensé à ceux qui ont pas d'amis. Parce que oui. Et les ninjas ouais comme disait Ecti, ils ont pas d'amis souvent donc faut être logique hein, des fois hein, l'aspi. Oui je m'excuse, j'ai réfléchi et je m'excuse. Je regrette. Moi en regardant la vidéo là parce que je découvre le jeu, je trouve qu'il y a quand même des similitudes avec Street of Rage, bah un peu comme beaucoup de jeux du même type. Mais je trouve qu'il y a des similitudes, genre il y avait un niveau tout à l'heure avec des rails et ça me rappelait trop le Street of Rage, alors, je crois que c'était le jeu. Qui était. Ouais. Mais... C'est fréquent les niveaux avec les rails dans ce genre de jeu. Moi je sais plus. C'était sympa, enfin même le petit Go là, le petit logo Go ça me rappelait Street of Rage aussi. Enfin. C'est des petits détails comme ça que je regarde. C'était marrant quoi. Non mais c'est marrant parce que bon. Là si tu vois là, le robot là, j'ai mis longtemps à comprendre que pour l'avoir efficacement il fallait passer par derrière lui. Enfin, il fallait passer derrière lui. Et moi comme un con je tapais comme un abruti devant lui. Le fait qu'il y ait des petites techniques pour défoncer certains ennemis, c'est bien parce que ça offre un challenge plus sympathique que si tu devais juste avancer et coller des torgnoles à tout ce qui bouge. Ah ouais non en fait c'était assez sympathique et t'avais des petites situations marrantes comme là l'hélicoptère bon qu'on reverra plus tard dans la vidéo. Il reviendra et il faut faire attention parce qu'il tire et il faut se cacher derrière des poteaux et des trucs comme ça. Y'a un mec avec un béret, tu le démon. Ouais. Ça se trouve, il a peut-être rien fait. Parce que peut-être que les mecs qui sont devant, ils passent juste et moi je les démonte. Ça se trouve, ils ont rien. Lui, il a rien fait. Il t'a même pas agressé. Il a vraiment. Il est juste arrivé et tu lui as mis une droite. Ça se trouve, le mec il a Sciences Po, il a bac plus 10, il a une famille, des enfants, il a rien fait. Je prends ma voiture, je suis rentré. Et finalement, il arrive dans le parking et il se fait démonter, un truc de bâtard. Il le prend, il le chope, il le balance par terre, en plus de manière un peu raide. T'es connard. Et l'autre il fait. Oh et sur ça, c'est assez violent. Par contre, les mini Wolverine là, c'est gris qui sont louches. Regardez, je vais frapper avec mes griffes. Je suis un peu fou, Robin. Je suis un peu chelou. On dirait la même voiture qu'il y a dans le stage bonus de Street Fighter 2 derrière. Parce que, tout simplement, parce que c'est une voiture en 2D, vue de face, tout simplement, et qu'elle est pétée, comme dans Street Fighter 2, tout simplement. Ils ont pris le même sprite, c'est, ils se sont pas fait chier. Non, ouais, ou alors ils l'ont volé, ça veut dire qu'ils ont volé la Capcom, c'est-à-dire que c'est Taito. Non, mais elle est pas exactement pareille, hein. J'ai pas créé de polémique, hein, parce que si Taito regarde la vidéo, il faut « Oh, mais ils ont raison, après ils font une guerre !» On se dit « Non, là... » Les jeux, ils ont 10 ans, ils reprennent la guerre. Alors là, ce boss-là, il me fait toujours marrer, ce qu'on dirait un dictateur de bâtard. Je me demande même, est-ce que c'est pas lui Bangla? Parce que je sais qu'on le voit pendant l'intro. Parce que bon, je vous lis tout de suite le jeu, je l'ai pas terminé. Et parce que moi je meurs avant, oui, je sais, je suis un tocard. Oui, je suis désolé, je le confesse. Enfin, du moins, je suis un tocard à ce jeu-là. Mais je suis jamais arrivé jusqu'au boss de fin. Je crois que je suis arrivé au niveau de fin, mais j'ai pas eu le boss de fin. Et je me demande, est-ce que c'est pas lui Bangla? C'est le fameux mec tyrannique qui fout la merde dans le pays. Ah, il a un téléphone d'ailleurs. Téléphone. Il a un gros téléphone parce que c'était à l'époque en 94. Ils avaient des téléphones énormes avec des fils énormes. Allô? Ah oui, allô? Tu sais, il y avait des coups de bigot. On appelait ça les... un coup de bigophone. Le bigophone. Elle déchire cette expression. À l'époque aussi, non, c'est beaucoup plus tard, dans les années 90, il y a eu les tam-tam aussi. Et les tatous. Oui. C'est un truc qui a pas duré longtemps. Mon père avait un tatou d'ailleurs. C'était les précurseurs des SMS un peu, je peux dire. Tu te souviens pas de ça toi? Non, mais j'étais trop jeune à cette époque-là. Les tam-tam, mais personne se rappelait. Les tam-tam et les tatous, espèces de petits appareils, tu fous de l'aise. Oui, reste en contact avec ta tribu. Tu vois ce que c'est? Moi je vois les tatous, je vois, mais alors je m'en souviens plus des masses, mais je me souviens de la pub de tatou. Oui, j'ai des gens qui dansaient. Ouais, reliés, on est tous reliés, on est un clan. Je pense que les scientologues, ils ont tous des tam-tams. Oh oui, il y avait des ennemis avec des guns et ils se faisaient chier. Ça veut dire la nature est découverte, ils ont tous des tam-tams. Oui, c'est vrai, ils sont tous scientologues. C'est le meilleur magasin scientologue dans lequel je suis allé d'ailleurs. C'est vachement bien nature. Il y avait des trucs sympas. Il y avait des trucs comme dans le générique de X-Files, là, tu sais, le truc qui fait l'électricité statique chelou là. Et tu poses ton doigt et oh truc de ouf, ah, je fais des pouvoirs. Il y avait un machin aussi que tu mettais un casque et t'avais un espèce d'émetteur que tu dirigeais et t'entendais très loin ce que les gens disaient. On s'est bien amusé dans le magasin. Ah, Yuffie, il se rappelle ce qu'elle rigole. Oui. Oui, parce qu'on disait des conneries en fait dans la
pareil. Et bah, que dire d'autre sur ce jeu? Bon, je peux peut-être ajouter 2-3 trucs que, du fait de l'utilisation des couleurs que je trouve vraiment assez bluffante, surtout pour la petite demoiselle ninja là, la Kunoichi. Ouais. Le rouge est vraiment, le rouge et le blond là, il est vraiment un bluffant. Enfin, moi je trouve que vraiment beau, hein. L'utilisation des couleurs et même le fond, là, le background est vraiment pas mal. Enfin, moi graphiquement, il me m'attire vraiment bien. Ah non, oui, justement, vraiment, je trouve vraiment, vraiment très beau, joli. Moi. Non, il est vraiment très très mais beau. Chose, ça m'a bluffé, c'est surtout la Konoichi qui est vraiment belle. Hein. Enfin, mais c'est un robot, Ekti, c'est un robot. Il est amoureux. Donc, oh la honte, oh, oh il est amoureux. T'aimes bien Cosmos, t'aimes bien Cosmos, Mogi. Il est amoureux. Amoureux. C'est pas vrai. Ekti, je préfère Ekti. Ekti, il est amoureux. C'est des mecs. Donc là, le robot, là encore une fois, que je démonte parce qu'il est pas très très actif. Donc là, voilà le troisième fameux troisième personnage qui est assez rapide mais qui est très violent, je croyais qu'il donnait des coups vraiment très très violents. Le fait d'avoir des lames sur soi déjà, ouais. Ça a un côté très bourrin, ça fait très bœuf comme arme. Alors là, vous voyez qu'il a plus de tête comme lui là, il a fait un coup de merde à le robot effectivement. Donc non, sinon vraiment un jeu. Mais qu'en costard encore. Encore le vigile en costard. Qui est passé. Non, vraiment au Ninja Warrior, malgré son nom qui peut pas. Enfin, Ninja Warrior Again. Donc là, parce que là, c'est la version Super Nintendo. Qui est vraiment un très bon jeu, donc vous pouvez le faire tout seul, sans amis. Mais vraiment un très bon beat'em up.